Concernant l'évolution du marché, le tassement du prix du lait observé fin 2020 se prolonge début 2021. Les éleveurs laitiers travaillent leur système de production, ils cherchent à améliorer leurs conditions de travail. Des réflexions sont conduites sur l'assolement fourrager pour une plus grande autonomie et des éleveurs se convertissent en bio. Pour les filières laitières, comme pour d'autres secteurs d'activité, les exigences sociétales sont incontournables. Le sans OGM pour les signes de qualité, le bien-être animal, la réduction de son impact carbone, qui s'inscrit dans l'objectif de neutralité carbone en France et en Europe. Au nom de la souveraineté alimentaire, l'agriculture redevient un secteur de la plus haute importance. Le plan de relance accompagne cet objectif en lait de vache et en lait de chèvre. Soyez en veille sur les opportunités pour accompagner vos projets. L'année 2021 va être de nouveau marquée par des nouvelles mesures sanitaires. Ces mesures bouleversent le marché de la viande avec un impact favorable pour la consommation de viande bovine française. Néanmoins, l'évolution de la consommation sera surveillée au regard de l'éventuelle crise économique à venir. Ensuite, les éleveurs devront se positionner par rapport à la dimension environnementale de leurs exploitations et choisir entre subir les contraintes sur leurs exploitations ou alors saisir des opportunités à travers les crédits carbone ou les nouvelles aides PAC. Enfin, la transmission des exploitations va être au cœur des préoccupations de nouveau. Les stratégies des élevages vont s'affiner et évoluer, tout comme l'accompagnement juridique et fiscal des installations.
Il semble important de faire un focus sur les deux productions canards présentes dans le département qui sont actuellement en difficulté. Au niveau de la filière canard de Barbarie, il est important de mettre en adéquation le parc de bâtiments avec les besoins futurs. Mais quels seront ces besoins, avec quel volume de consommation demain et quel volume d'exportation? Une recherche de bâtiments plus polyvalents est réalisée et aussi un effort au niveau de l'engagement bien-être avec la mise en place de parcours. La filière gavage est impactée à la fois par la grippe aviaire et à la fois par la crise du Covid. L'abattage d'un million de canards dans le sud de la France va sans doute réduire les vides des éleveurs en Vendée, mais ce département est aussi touché. Et les opérateurs peuvent avoir des difficultés financières suite à cet événement. Au niveau du produit, clairement, le foie gras est reconnu et on peut espérer une reprise de la consommation dans les mois à venir. Nous devrions avoir une première partie d'année avec des prix élevés. Pour l'instant, tous les indicateurs sont au vert en termes de demande comme en termes d'offre. Ensuite, pour la partie conjoncture, on restera attentif à la séparation du conseil et de la vente de produits phyto avec l'apparition de nouveaux services d'accompagnement comme par exemple l'offre du service AgroServe France. Enfin, le dernier point important, on reste la disparition progressive des usages du glyphosate. Aujourd'hui, il existe les PCAE ainsi que d'autres subventions qui nous permettent d'investir dans de nouveaux matériels de travail du sol qui sont, pour l'instant, les propositions les plus sérieuses du gouvernement.
concerne l'agriculture biologique, la dynamique de conversion bio est toujours présente en Vendée, avec toutefois un petit flottement au printemps lié au contexte sanitaire. Donc on pense qu'en 2021, on aura un petit peu moins de conversion bio, un ralentissement ou un décalage des conversions bio. En ce qui concerne les projets d'installation bio, ils sont toujours nombreux. Concernant le marché global de la filière bio, il est toujours dynamique. Par contre, on voit arriver des nouveaux opérateurs sur le marché. Donc tout l'enjeu sera pour la filière bio de trouver un bon équilibre entre la consommation et la production. Un dernier point d'actualité concernant notamment les aides bio qui sont en lien avec la nouvelle PAC qui devrait voir le jour en 2023. Donc le crédit d'impôt bio sera reconduit en 2021-2022 et également un point de vigilance concernant tout ce qui est évolution réglementaire à la fois au niveau européen et au niveau national. En ce qui concerne les circuits courts, on constatait déjà une attente sociétale de fond sur tout ce qui était manger local et circuits courts. Tout ça a été accentué en 2020 par rapport au contexte sanitaire qu'on connaît et aux périodes de confinement. On a constaté une augmentation de la fréquentation dans les points de vente de proximité, dans tout ce qui était drive, e-commerce. Les perspectives pour 2021, on constate déjà aujourd'hui une hausse des projets de transformation, une augmentation aussi de tout ce qui est projet d'installation en circuit court. Après, la grosse question qui se pose par rapport au consommateur, est-ce qu'il va pérenniser, continuer dans ce mode de consommation-là ? Voilà, c'est un peu la question qui se pose pour les années à venir.